Yo tout le monde, c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Fez. Nous avions la dernière fois exploré un petit peu la zone avec les espèces de colonnes d'eau et on avait terminé par une énigme qu'on avait brillamment résolue avec justement les petits symboles ici qui ressemblent un peu à des formes de Tetris, voilà. Et donc on avait découvert le secret de cette pièce-ci et donc on va pouvoir revenir avant, puisque au final on a loupé quand même des choses dans les salles précédentes et puis là on a encore des salles à explorer. Donc déjà, eh bien, on va revenir, voilà, juste dans la salle précédente. Alors ici, je pense que en fait tout simplement, il va falloir qu'on aille en haut parce que je crois qu'on n'était pas venu du tout ici. Donc on va pouvoir regarder. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. On peut y aller. Alors ça ressemble au symbole qu'on a eu sur. Ok, d'accord. Alors je suis où là? Ok, alors je suis là. Alors, c'est ce que j'avais cru comprendre, c'est que j'ai l'impression que ces symboles-là, en fait, c'est des raccourcis entre plusieurs zones. Et, par exemple, là, on est passé de ici à ici. Voilà, en gros, il y a un raccourci pour aller de là à là. Mais écoutez, plutôt sympa. Alors, j'avoue que déjà qu'on se perd pas mal dans les niveaux, si en plus on prend des raccourcis, des trucs comme ça, ça risque d'être un petit peu galère. Alors, déjà... On va venir ici... On n'était pas déjà venu ici? Non, je crois pas. Je crois pas. Ok, très bien. Ah, je peux pas y aller? Attends. Comment j'y vais ici? Ah, mais je suis bête. Là, il y a des piliers. J'avais pas vu les petits piliers. Voilà. Et là, le pilier, il est où? Ok, il est là. Donc là, je peux sauter. Ah, je peux pas sauter là? Attends. On va sauter, je te dis. Voilà. Très bien. Alors, ça... Est-ce qu'on peut en faire quelque chose de ça? Je peux pas tourner les rouages? Non, a priori, je peux pas. Alors là, ça, on peut descendre, non? On peut pas descendre? Alors là, il y a des symboles encore. Alors, je vous avoue que les symboles, il y a plein d'endroits où il y a des symboles, mais je ne sais pas lesquels sont juste de la déco et lesquels sont des messages. Ça peut peut-être être un message, un truc comme ça, je ne sais pas. Alors, ici, on a une pièce, en tout cas, donc on va pouvoir rentrer. Ok, on a un globe. Ah! Il y a un coffre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Hop. J'aimerais bien des clés, moi, hein, parce qu'on a pas mal de... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un cube... Tu as trouvé un ancien artefact! Ça devrait servir à compter. À compter? Alors, attends. Attends. Artefact, c'est... Ah ouais! Alors, on en a vu aucun, et là, en deux épisodes, on en a deux. Ça doit servir à compter? D'accord. Ah, ok, je peux le tourner. Attends, je peux pas le switcher. Ok. D'accord. Et il y a quoi sur la face du dessus et du dessous? Alors là, il y a 4 points. Là, il y a 2 points. Là, il y a 3... Ok. Ça doit servir à compter. Alors, j'avoue que... Alors là, il y a 4. Ok. Alors là, le truc est plein. Ok. Là... Ok... Alors, je vous avoue que là, je ne sais pas trop comment je suis censé compter. Je peux tourner le truc dans tous les sens, là? Bon, pas vraiment. Ok. Là, ça fait un U. Ok. Alors, est-ce que, à la base, le truc, il est complet? Genre, ça, c'est 0, par exemple, le cube. Et genre, à chaque fois, ça rajoute des traits. Genre, là, ça rajoute un trait. Là, ça rajoute un deuxième trait en bas, ce qui fait que du coup, ça ferait ça. Ça, ce serait un 3. Ça, ce serait... Non, je sais pas. Ça, ce serait un 4. Et ça... Attends. Ah, mais non, mais il n'y a pas de 0 sur les faces d'un dé. Parce qu'en fait, je me dis ça doit ressembler à un dé un peu. C'est surtout cette phase-là qui me fait dire ça. Mais alors là c'est 1, ça ce serait 2, genre là ils ont rajouté un trait en haut, donc ça fait 2, là ils ont rajouté un trait en haut et un trait en bas, ça ferait 3, là encore en plus un trait sur le côté, ça ferait 4, alors là le problème c'est que là il y a un trait en moins,
5, 6, j'avoue que là, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Et du coup, en fait, c'est lié... Ouais, alors attends, par contre, il va falloir deviner, là. Ah oui, en fait, ça doit être un calcul. S'il nous a dit que ça servait à compter. Mais j'avoue que là, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que je suis... Même si j'avais les chiffres, les correspondances de chiffres, qu'est-ce que ça me donne, en fait? Là, j'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas. Et là, on a des choses à récupérer encore. Ah, mais non, mais on n'a rien, en fait. Il n'y a rien à faire ici. On a déjà récupéré tout. Bon, bah, on va pouvoir revenir en arrière. En fait, je me prends la tête pour rien. Je me prends la tête pour rien. Je me disais, il y a peut-être un secret, un truc. Attends, faut que je revienne par là. Ok. Et là, ici, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, et là, je reviens dans la zone, voilà, ici. Donc là, déjà, il y a un secret, et il y a un bloc qu'on a loupé. Et je pense que le bloc, il est tout en haut, parce que j'ai cru voir sur la miniature de cette salle-là, on voit qu'au-dessus de la tête, là, et ça fait une espèce de tête, il y a un cube jaune. Ah bah oui, on l'a vu, tiens, on l'a vu, il est tout en haut. Ok. Alors ça, je me souviens que ça se soulevait, et en fait, il fallait que j'aille, voilà, il fallait que j'aille ici. Ok. Attends, comment je peux faire? Faut que je fasse... Ah mince! Super. Super, super. Faut que je fasse ça. Ah, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. En fait, il faudrait que j'arrive à monter dessus. Genre... Attends, on avait vu la dernière fois qu'on pouvait switcher de vue pour... Voilà, c'est ça! C'est ça, c'est ça, pour prendre de l'élan. Ok, parfait! Et ben voilà! On a récupéré le cube! Parfait, c'était ce qu'on était venu chercher. Et donc là, on a un téléporteur. Alors, juste attends, parce que... Ok, là, il y a encore un secret. Je vous avoue que... Je pense pas qu'on va regarder le secret, parce que les secrets, ça a l'air d'être souvent galère à trouver. Et le portail, là, il emmène où, en fait? C'est ça, mon souci. Parce que moi, j'aimerais bien retourner là, avant, parce que là, on a oublié un cube jaune aussi. Donc, je pense qu'on va pas prendre le portail, là. Oh là, je vais mourir. Je vais mourir, clairement. Bon, attends. On va faire ça... Donc là, si je fais ça, il redescend ou pas le cube? Non, il redescend pas. Ok. Ok. Et là, on va pouvoir... Elle était là, la porte. Ouais, elle était là. Ça mène où, déjà? Ah non, ça mène à la bibliothèque. Donc c'est pas là, c'est encore plus bas, à mon avis. Ah mais oui, c'est vrai qu'on avait monté avec les... Avec les lianes, là, qui étaient restées. Hop. Ok. Attends, comment je peux faire? Wow, 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 wow. Ok. Bon, j'ai vu la porte où elle était, en tout cas. J'ai vu où était la porte... Alors, je peux pas m'accrocher à des lianes quelque part pour... Attends, on va faire ça, en fait. Voilà, parfait. C'est-à-dire, faut que je tombe, mais doucement. Voilà, très bien. Et la porte, elle est où? Ah, la porte, elle est là-bas. Ok, parfait. Et tac. Ok, donc là, on revient, voilà, avec un l'endroit où il y a un espèce de d'écran ou je sais pas quoi, là, en haut. Et on n'était pas allé jusqu'en haut. Donc, justement, là, c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse. Il va falloir qu'on essaye d'aller... Oh là, par contre, il y a encore plein de cubes noirs, là, comme ça. Et ça, ok, ah, le problème c'est que là, je suis un peu embêté, ah non, c'est bon, ok, vite, ok, le cube est là, en tout cas, parfait, et donc là, est-ce qu'on peut y aller, oui, bien, et ben voilà, deux cubes, et donc le début d'épisode, incroyable, deux petits cubes, et là on a encore un téléporteur, et là on a fini, voilà, là on a fini, par contre, il y a une salle encore accessible à partir de là. Donc alors, attends, ah non, mince, je suis tombé complètement, je me suis écrasé la face, là, hop, j'ai oublié de sauter, là, alors attends, là déjà, ça c'est un raccourci du coup, si j'ai bien compris, alors c'est un raccourci vers où? Parce que ça peut peut-être nous aider, c'est un raccourci vers là, ok, pourquoi pas, alors par contre, attends, parce que moi, il restait encore quelque chose à faire ici, là, on y est allé à l'intérieur de ça? Ah, peut-être pas. Alors j'avoue qu'il y a des salles qui se ressemblent beaucoup. Et celle-là ressemble beaucoup à celle qu'on vient de faire à l'instant. Alors là il y a un tableau, ok. Je peux aller là. Voilà, on peut aller là. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire là? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Ah, je peux monter là. Alors est-ce que je peux pas monter là aussi? Oh oui! Et là je peux faire quoi là? Je peux monter là. Ok, très bien. Très bien. Vas-y, descends. Hop. Oh! Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Ah, je regarde au télescope. Il y a un secret. Ah, mais le problème, c'est que le télescope, c'est la nuit qu'il faut regarder. Ah, bah attends, la nuit, elle arrive. Je crois, hein.
Je crois. Hop. Alors, d'ailleurs, j'en ai pas reparlé, mais je me suis renseigné, et effectivement, le cycle jour-nuit a vraiment une grosse importance dans le jeu, hein, clairement. Il y a des choses qui ne se passent que de jour, et des choses qui ne se passent que de nuit, et c'est pour ça que je me dis que, au final, là, faut peut-être que j'attende qu'il fasse nuit pour voir quelque chose. Alors, je sais pas si la nuit est en train d'arriver, là, j'ai l'impression que oui, mais c'est tout doucement, hein. Tout doucement. Ok. Ah, c'est en train de tomber, là. C'est en train de tomber un peu plus vite. Ok. Vas-y, est-ce qu'on voit des choses? Ah, voilà, il y a plein d'étoiles qui apparaissent. Ok, alors on voit des constellations. Des constellations, et ça fait un carré. Oh, attendez, il y a un truc rouge, là, qui clignote. Qu'est-ce que c'est que ce truc rouge qui clignote, là? Attends. En haut, là, dans le coin, en haut. On le voit pas, ça. Attends, mince, du coup, j'ai loupé. Attends, raccroche-toi, vas-y. On voit un truc qui clignote en haut. Ok. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 1, 2. Oula. Et alors, est-ce que les symboles, là, le carré et le... Et comment dire, la forme comme ça, c'était des trucs comme des mouvements. En gros, le carré, je crois que c'était le saut. Et le mouvement qu'on a vu, là, c'était comment dire, sur le côté. Mais en même temps, ça me semble bizarre. Et là, je peux bouger. Ah, je peux bouger l'observatoire. Attends. B. Oh, ça alors, c'est un grand télescope. Appuie sur X sur l'un des manches pour faire tourner le télescope dans un sens ou dans l'autre. Tu peux regarder dans le télescope en appuyant sur X de près. Ah, bah voilà, parfait, il me le disait après. Ok, alors attends, là, on peut voir un truc. D'accord, il y a d'autres formes. Alors attends, on va faire le tour au télescope. Parce que là, il y a peut-être quelque chose à vérifier, là. Ok, et j'en profite tant que c'est la nuit, du coup, parce que les étoiles ne s'affichent que la nuit. Ok, alors justement, il commence à refaire jour, c'est super. Vas-y, non, attends. Hop, et... Ok, vas-y. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ah non, je vois plus grand chose. Bon, bah je ne sais pas de toute façon qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse avec ce télescope. Je pense pas qu'on aurait vu une pierre jaune. Bon, c'est encore un trésor, donc globalement, c'est un petit peu... Il faut se creuser la tête, on va dire, pour les... Enfin, c'est pas un trésor, mais c'est les anticubes, en fait. Il faut se creuser la tête pour ça. Ok. Ah, mais j'aurais pu tourner, en fait, le télescope... Par exemple, j'aurais pu le tourner vers là. Ouais. Bon, bref, en tout cas, ici, on n'a plus rien. Là, c'est juste un secret. Ok. Bah, du coup, on est pas mal, parce que c'était la salle du télescope qui nous manquait. Donc là, on est bon. Alors, où est-ce qu'on avait des cubes qui nous manquaient? Ah, ici, il y a un coffre qui nous manque. Ok. Donc, il faudrait qu'on retourne là. Et je crois que, justement, le raccourci de ici, là, qu'on a vu, là, attendez, il est où? Il est là. Il nous amène pas justement dans la salle que je regardais. Il me semble qu'on était pas très loin. Hein. Eh ben ouais, pile poil. Donc maintenant, faut qu'on revienne ici parce que là, il y a un coffre. Ok. Et après, on pourra revenir au niveau de la maison. Là, globalement, on a tout exploré. Hein. On a tout exploré. Alors, il nous reste des secrets, ça c'est sûr. Alors attends, parce que là, attends, j'ai vu qu'il y avait un truc quelque part. Ah là. Ok. Ouais, non, tout ça, on a exploré, ok. On est pas mal. Donc là, faut que je revienne... Je sais plus à quoi ressemble la pièce. C'est quoi, ici? Ah bah, pourquoi je vois pas à quoi ça ressemble, là? C'est un endroit qu'on n'est jamais allé? Ah bah non, c'est là, en fait. C'est là où il y a le coffre. Ok. C'est là où il y a le coffre. Alors ça, si j'ai bien suivi, en fait, c'est... Voilà. En gros, regardez, ça ressemble beaucoup à ce truc-là. Et donc, on a en gros la carte de ici, où on a le petit pilier qui est juste là. Ensuite, on a un gros pilier et au-dessus, on a justement le coffre. Et donc, on voit sur la carte que... Ah, attendez, que j'ouvre la carte. Hop, voilà. Que, a priori, en fait, il y aurait des plateformes qu'on ne voit pas. Et il va falloir qu'on voit un petit peu. Alors attends. Donc là, elles ont l'air d'être par là, les plateformes. Je sais pas où est-ce qu'elles seraient. Mais le problème, c'est que là, je suis trop haut, à mon avis. Donc il faudrait que je sois comme ça.
Alors je sais pas où est-ce qu'elle pourrait être, les plateformes. Ah, attends, déjà on peut venir là, mine de rien. Attends, si je ne tombe pas. Hop, j'avais pas tilté qu'on pouvait venir jusqu'à là. Ah ben si, je suis bête, parce que c'est là d'où on est arrivé. Alors, voilà, on va faire comme ça, merci. Merci, merci. Alors attends, hop. Là, ça, et si je... Ah. Ok. Là, on voit pas. Ah, c'est marrant, on voit pas sur les deux faces. On voit pas sur les deux faces. Alors, comment je chope les plateformes, en fait? Parce que je veux bien... En fait, je veux bien, là, qu'on ait ça. Mais ça me semble vachement haut. Attends. Parce que là, techniquement, elle serait... Oh oui, elle est là! Parfait! Ok, et donc là, au-dessus, si j'ai bien compris, c'est au-dessus encore. Ok, c'est trois au-dessus. Donc là, on va en avoir certainement une troisième, voilà. Là, faut qu'on saute à peu près là, ok. Et là, ah, parfait! Ah, je suis content, on a réussi à se servir de une des cartes. Hop, c'est quelqu'un qui me l'avait dit en commentaire, du coup, que la carte, ça correspondait à une des pièces. Et effectivement... Ah bah d'accord, on rechoppe une autre carte. Ah, c'est un QR code encore! C'est encore un QR code! Ok. Ok, bah... Oui, j'allais dire, on a vu un QR code, alors attendez. Est-ce que ça va marcher cette fois-ci sur mon téléphone, ou est-ce que il va falloir que j'aille sur Internet décoder le truc? On va retester. On va retester... Alors, est-ce que l'application se lance? A priori, non. Eh bah, écoutez, c'est pas grave. Je vais prendre un petit... hop, voilà. On va prendre un petit impression écran, et bah, je vous retrouve dès que j'ai un petit peu ce que veut dire le QR code. Hop, voilà. Donc, je prends le QR code. On va essayer de faire ça rapidement. Hop. Capture d'écran. Voilà. Parfait. Je vais coller ça ici. Nouveau. Capture d'écran. Voilà. Ici, on est bon. Donc, ça, si, je... Comment je peux faire ça ? Mince. Comment je peux faire ça ? Hop, voilà. Ok, alors je vous retrouve. Ok, alors je vous retrouve. Bah c'est comme la dernière fois. Au final, ça me donne une suite de lettres et de combinaisons. Donc là, c'est RT, 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 LT, RT, 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 LT. Donc RT, tac. Au final, c'est 3 fois RT, 1 fois LT, 3 fois RT, 1 fois... Ouais, bon, en fait, c'est simple, quoi. C'est 1, 2, 3, 1... 1, 2, 3, 1. Voilà! Magnifique! Je m'en doutais que c'était pour un cube comme ça. J'avoue que ceux-là, ils sont sympas, parce qu'ils sont pas trop compliqués. Une fois qu'on a compris le fonctionnement du QR code, eh ben écoutez, c'est parfait. Et du coup, on en a combien des cubes bleus, là? On en a 5, ok. Bon, je vous avoue que moi, je les compte pas, les cubes bleus, parce que le jeu les compte. Par exemple, là, j'en ai 20 jaunes, et j'en ai 5 bleus. En fait, il compte que j'en ai 25. Mais moi, je considère que j'en ai 20, et on va se concentrer, nous, sur les cubes jaunes. Voilà. Alors, du coup, par contre, j'ai envie de regarder, moi, c'est la carte, parce que du coup, ici... Alors, techniquement, il y aurait encore un secret, ici. Alors j'avoue que je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Et donc là, il faudrait qu'on redescende au niveau de l'arbre, puisque on a encore des choses à voir, notamment, il y a l'air d'avoir un passage... Ouais, mais j'ai pas de clé, moi. J'ai toujours pas de clé, c'est ça mon souci. On est d'accord, j'ai... Attends, mince, on va prendre le jeu. On est d'accord, j'ai pas de clé, là. Alors je sais pas où on voit les clés, d'ailleurs, mais... Ah bah non, il y avait marqué 0, là, dans le menu. Donc c'est pas grave. Là, on le voit, là, sur le côté, il y a marqué 0. En fait, il faudrait que je trouve un coffre où il y a des clés dedans. Où il y a des clés dedans. Alors par là, il y a encore des zones qu'on n'a pas explorées aussi dans ce coin-là. C'était le coin un petit peu qui fait peur. Ok, là il y a une pièce, mais pareil, je me demande si c'est pas la pièce avec la clé. Donc là, on est coincé aussi. Ok. Alors attends, où est-ce que je suis là? Attends, faut que je dézoome parce que je vois plus. Ok, très bien.
Il y a plein d'endroits en fait où au début je regardais pas trop les cartes en fait, je vous avoue. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu passé rapidement. Faudrait que je retourne là en fait. Faudrait que je retourne là parce que là j'ai plein de pièces ici. Là il y a même encore des fragments. Ici j'ai loupé des fragments, on voit. Donc ouais, on va essayer de retourner dans ce coin là, ici. Alors par contre, pour faire ça, j'avoue que pour me déplacer pour l'instant dans le monde, j'ai un peu de mal. En fait, bah à chaque fois, faut reprendre les portes, retrouver la bonne porte qui te mène là où tu veux. Mais ok, bah écoutez, ça se fait, hein. Ça se fait. Là, on va arriver au niveau de l'arbre normalement. Voilà, très bien. Donc là, il faut qu'on arrive à aller dans le tronc d'arbre et après, ok. Ouais, je pense qu'en vrai, ça va être tout en bas. Hein. Ça va être tout en bas. Ok, faut qu'on redescende en rebondissant sur les arbres. Ok, non, pas en rebondissant, mais là, on va essayer de s'accrocher aux lianes. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Ici, ah, j'aurais pu rebondir ici, mais je ne savais pas. Je ne savais pas. Ok, voilà. Là, on peut descendre ici. Et là, hop. Bon, attends, en vrai, tu peux... Voilà, j'allais dire, on va pas mourir en venant là. Ok, donc normalement, cette cabane-là, on arrive au niveau de... Ah non, on n'arrive pas là où je pensais. Alors attends, faut pas que je rentre dans la cabane. Oh ! Je suis rentré dans la cabane, je suis ressorti à un autre endroit. Ok. Bah limite, c'est pas grave parce que c'est pile poil là où je veux aller. Ah non, c'est pas là où faut que j'aille. C'est en dessous. Attends, dézoom. Hop. C'est en dessous. Ah ouais, non, je me suis planté là. Comment je re-rentre ? Là, si je ressors où ? Ah, ok. Ah, mais en fait, cette cabane, tu rentres à un endroit, tu ressors à un autre, mais sans rien faire, quoi. Ok. Donc, normalement, il doit y avoir une autre porte. Ah, là. Voilà, là, c'est le tronc d'arbre. Ok, et donc là, faut que je redescende encore pour arriver à ce niveau-là. Ok, très bien. On doit y arriver. Oula. Ouf, c'était un peu violent, mais c'était plus ou moins ce que je voulais faire. Voilà. Et là, ok. Ok, alors ce monde-là, j'ai l'impression que c'est un peu le monde, enfin le niveau principal. Et là, il faut que j'arrive à aller... Alors déjà, au niveau de la cloche, on a oublié des... Attends, parce que des fois, il y a des perspectives de vue que... Ok. Faudrait que j'arrive à aller là, ici... Non, attends. Parce que là, tout se superpose. Où est-ce qu'on veut aller ? Nous, on veut aller là. Voilà, on veut aller là parce qu'il y a plein de salles grises à cet endroit-là. Donc ça m'intéresse, et pour aller là, bah on va essayer de trouver le chemin. Hein. On va essayer de trouver le chemin, hein, globalement. Ok. Et là, est-ce que c'est pas là où je peux ouvrir la porte de 16 ? C'est peut-être là où je peux ouvrir la porte de 16, attendez. Attendez, parce que là, on a plus de 16 cubes. Donc déjà, on va pouvoir faire ça, à mon avis. C'est là ou pas ? Oui, c'est là ! Ok. Donc déjà, on va faire ça, voilà, comme ça, ce sera pas mal. Donc là, je vous rappelle, c'est là où on est arrivé au tout début. Là, on avait ouvert la porte de 4, après on avait ouvert la porte de 8, et là, on ouvre la porte de 16. Ok. Et là, est-ce qu'on va avoir des choses, ou est-ce que ça va juste être pour récupérer des cubes ? Bon, au final, je suis pas allé où je voulais aller, mais c'est pas grave. Ok. Alors. Oh, il y a des gens. C'est la première fois qu'il y a des gens ? Oh, il y a beaucoup de gens, en fait. Enfin non, au tout début, il y avait des gens aussi. Oh. Où est-ce qu'on est arrivé là ? Ok. Alors bah déjà, en dessous là, je vois qu'il y a un petit cube. Je peux parler aux gens ou... Je peux pas parler aux gens. Alors, ils me ressemblent, mais pas non plus énormément. Hop, enfin je sais pas, ils ont une plus grande tête que moi. Et je peux parler à personne a priori. Bon, je sais pas, c'est un village, mais on peut pas parler. Ok. Alors, tac. Comment je peux monter, là ? Ah, là. Ok, parfait. Parfait. Et, hop, on vient là. Alors, déjà, attends. À cet étage-là, est-ce qu'il y a des choses à faire ? Alors, déjà, là, il y a une porte. Il y a une porte. Il y a une autre porte encore. Oh, il y a plein de portes, là, en fait. En même temps, on est dans un village, donc c'est logique. Alors, attends, on va faire porte par porte. Ah bah, super. Pourquoi je passais derrière, là ? Je voulais pas passer derrière, moi. Je voulais pas passer derrière, je voulais rester devant, moi. Hop, voilà. Ok. Alors ici, bon, je pense que c'est des petites maisons, donc voilà, ça va être juste des petits trucs à récupérer. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose... Oh, il y a encore un QR code ! Alors, par contre, celui-là, il est cassé.
Et puis vu qu'il y a des balustrades devant, je pense qu'on peut rien en faire. Par contre, ça donne peut-être un indice sur... Bah... Ah oui, non, j'allais dire, il a disparu. Je sais pas, celui-là... Bah, un QR code, mais je pense qu'on peut pas le lire, celui-là, parce que... Un QR code, s'il est pas bien formé, globalement, on peut pas le lire. Mais bon, c'est pas grave. À moins qu'on trouve une autre partie du QR code. Ok, là, il y a un trône. Alors, on avait déjà vu une salle un peu comme ça. Hop, et d'ailleurs, attends, j'ai pas fait gaffe, mais... Ah, là, il y a un secret aussi. Ok. Là, il y a un secret. Ah bah, la salle du QR code, elle est dorée, donc il y a rien à faire. Super. Super, super. Là, il y a un secret. Je pense que ça doit être lié à l'autre trône, parce que ça ressemble beaucoup, hein. Là, il y a cette zone-là, elle ressemble beaucoup à... Oh là, attention. Attention. Elle ressemble beaucoup. Oh ! Et là, on a la porte. Waouh ! Une nouvelle porte. Pour celle-ci, il faut 32 cubes. Cette porte doit cacher quelque chose de spécial. Ah, donc ok, donc la fin du jeu, je pense en tout cas, est ici. Et donc là, on voit bien que je n'ai pas 32 cubes jaunes. J'ai des cubes jaunes et des cubes bleus. Et donc, en vrai, moi j'ai envie d'avoir les 32 cubes jaunes avant de pouvoir ouvrir cette porte-là. Voilà. Oh, alors ça, on avait déjà vu un truc comme ça. Il y avait eu une chouette la dernière fois. Ok, alors il y a des éléments qu'on revoit là. Ok. Bon là, a priori, il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Alors, est-ce qu'on a encore des portes non explorées à cet étage-là? Non, a priori, non. Ok, donc on va pouvoir monter. Montons. Voilà. Eh, c'est haut hein, quand même. Il y a plein d'endroits, là. Il y a plein d'endroits. Ok, bah là, déjà, on commence par ça. Hop. Ok. Alors, ça, c'est les chiffres, si je me trompe pas. Ah, j'avoue que j'ai du mal à comprendre, là. N'hésitez pas à m'expliquer si vous savez. Je pense qu'il y a une correspondance entre chaque face et chaque numéro. Mais j'avoue que là, je ne sais pas. Là, j'ai pas la tête à réfléchir à ça. Enfin, en gros, je pourrais réfléchir, mais ça va me prendre du temps. Et puis, bah, on a quand même des choses à faire dans l'épisode. Bon, alors, rentrons là. Il y a des enfants, là, aussi. Ils sont plus petits. D'ailleurs, moi, j'ai l'air d'être un enfant, parce que je fais la taille de eux. Ok, là, un petit trésor. Allez, une petite clé, s'il vous plaît, parce qu'on a plein de passages à ouvrir, là, mais j'ai aucune clé. Allez, s'il vous plaît. Ah, parfait. Parfait. Alors, faudra voir où est-ce qu'on ouvre, parce que, bah, clairement, là, on a plein d'endroits avec des clés. Ok, à cet étage-là, j'ai l'impression que c'est bon. Oula, je me suis fait envoyer loin, là. On va remonter encore au-dessus. Voilà. Alors, ici, est-ce que ici déjà, il y a des portes? Non, il n'y a pas l'air d'avoir de porte ici, donc on va monter au-dessus, par contre. Et là, ils sont en train de créer un portail, là, ou c'est moi? Attends, on va monter là, et hop. Voilà, parfait. Alors, ici... Voilà, attention, on va dézoomer, on va tourner. Ok, donc là, moi, ici, je n'ai plus de cubes à récupérer. Par contre, il y a un secret. Bon, le secret, on le laisse pour l'instant. Dans la salle du trône, il y a l'air d'avoir un secret. Par contre, il y a l'air d'avoir encore une salle que je n'ai pas découvert en dessous. Donc ça, c'est bon, ça... Ah bah oui, mais je suis bête, c'est la salle avec les 32. Donc ça, c'est normal, en fait, que pour l'instant, je ne l'ai pas ouverte. Ok. Eh ben, je pense qu'on est pas mal, écoutez, hop, on va pouvoir, tiens, je vais remonter un petit peu au niveau de là où il y avait plein de monde, et puis on va pouvoir, je pense, se laisser ici pour cet épisode, en tout cas, dans lequel, eh bien, mine de rien, on aura récupéré pas mal de cubes, parce qu'on a récupéré 2 ou 3 cubes entiers, et après, on a ouvert cette porte-là, et on a récupéré plein de petits cubes ici. La prochaine fois, du coup, j'aimerais bien qu'on... Alors... là, non, je peux pas y aller, parce que ça, c'est la salle des 32, ok. Par contre, j'aimerais bien... Alors, voilà, là... Attends, dézoome un petit peu... Ok, j'aimerais bien revenir là, et retourner ici. Voilà, j'aimerais bien retourner ici, parce que là, il y a plein de salles grises. Là, il y a 2 salles grises aussi, que on n'a pas... 3 même, à partir de la cloche. Donc, à partir de la cloche, il y a 3 salles. À partir de là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, et même là, 6 salles. Et à partir d'ici, là, il y a l'air d'avoir une salle grise aussi, là, j'ai vu. Bon, il y en a encore quelques-unes, là. Et puis, ah, il y en a une là aussi. Ah mince, j'ai loupé une... Ok. Bon, il y en a encore quelques-unes, hein. Et globalement, il nous reste pas mal de cubes à récupérer. On en a 21, voilà, des jaunes. On se concentre sur les jaunes. 21 cubes, donc c'est mine de rien. Plutôt pas mal, en tout cas. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce en l'air. Et on se retrouve très bientôt
pour la suite de notre let's play sur Fez. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des infos sur le truc de calcul là, parce que je pense que ça peut nous aider, mais faut encore savoir comment s'en servir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde.